Hey, là, my friend, c'est Killing. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e épisode de Stranded Deep. Alors, du coup, j'en ai profité pour faire les tri dans les coffres. Donc, là, j'ai tout. Donc, on va partir, ça y est. Normalement, on a bien tout loot sur cette île. Alors, du coup, j'ai préparé les deux répulsifs à insectes, j'allais dire. Non, pas du tout, à requins. Donc, on va voir comment ça marche. Alors, j'ai un truc qui s'est affiché sur ma montre. Ok. Sauf que le deuxième, malheureusement, on va pas pouvoir le prendre. Bah tant pis. Tant pis, on le prend pas. Les rations, on peut pas prendre. J'ai refait quelques bandages histoire de rien gâcher. Et allez, on retourne vite chez nous. Donc j'ai pris ce que je pouvais prendre au maximum. Merci les bateaux. À plus. Bon, comme d'habitude, j'accélérerai sûrement le temps de navigation, sauf s'il se passe un truc, je remettrai en vitesse normale. À tout de suite. Bon, alors on arrive à la première île. On a encore un long chemin à parcourir. Attendez. Merde. Ouais, merci. C'est pas grave, je me heal. Ok, donc il y a l'air de... L'autre, on va pas l'avoir. On va vite, 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 vite. Mais vous savez, il y a une espèce de brume. C'est la première fois que je vois ça. Je sais pas s'ils l'ont rajouté entre-temps. Bon, allez. On y va. Alors là, faut juste trouver la tente. Oula, oula, oula. Oh les potes, désolé, j'ai fait une ellipse parce que il y avait un truc que je devais surtout pas oublier sur l'île et que bah du coup j'ai oublié. C'était les patates. Fallait surtout pas l'oublier. Bah je l'ai oublié. Je crois qu'il y en avait que deux. De mémoire. Ouais, c'est ça. Maintenant faut trouver le bon coffre. Je leur ai laissé une place. Là. Bah du coup on est reparti. Ah, c'est bon. Oh, j'ai pas fait le chemin en retour, hein. J'ai direct quitté. D'où l'intérêt de sauvegarder souvent. Bon, allez, on recommence.
Je crois que... Ouais, je... On s'abrite avec le... Oula, oula. Juste... T'es là, petit bâtard. Ah ouais, ça te... Oh, ça te one shot. Ah ouais. Tiens, chè. Ça, c'est un mort. On arrive à la tente. Soit ça a bien repoussé ici. Ok, on save. Est-ce qu'on a toujours le... Ouais, on l'a toujours. Allez, on rentre. On est enfin à la maison. Non, non, non. Yes. Hop, on sauvegarde directement. Alors. Oh oh. Oh oh. Il a plus d'eau, il a plus d'eau. Ma gourde, ma gourde. Ma gourde. Ok. Alors. Oh. Non, ça va. Toi. Hop. Refais-moi de l'eau rapidement. Ok, alors. On va reprendre notre stuff déjà. Hop. Ok. Alors. Première chose à faire. Tellement de réserves. Toujours plus de réserves. Ça fait oublier. Ok, alors. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on finisse le radeau. Le radeau. Alors du coup, par contre, on va refaire de l'eau tout de suite. Donc bon, j'en ai pas mis assez. C'est pas grave. Faut surtout pas que lui meure, parce que sinon mon plan tombe à l'eau. Voilà. Hop là. Alors. Ça, c'est pour l'eau. On va laisser ça là. Hop. Ensuite, faut directement... Est-ce que j'ai mon marteau? Oui, j'ai mon marteau. Alors, attends, j'ai pas... building et farming. Ok, farming plot. C'est deux planches. Est-ce qu'il me reste des, de la tôle? Non. Ah. Alors. Farming. Ah, il me faut la houe en main. Ok. Hop. Comme ça par là, hop là. Ensuite les pommes de terre que j'ai failli oublier non avant qu'elles pourrissent. Plant potato, yes. Oh là là, ah, je vous le dis, ça va être une usine ici. Ok, j'ai pu en prendre que deux. Moi je suis comment? Je suis bien. Un pour toi. Un pour toi.
Ok, seconde chose. Faire un deuxième récolteur d'eau. Alors, trois pierres. Ah, il me faut une flasque. Oh, ça a repoussé. Il me faut une flasque. Donc, il me faut une coconnette. Ouais, bah t'as trop chaud, bah écoute, hein, moi j'y peux rien. Il me faut juste une noix de coco. Hop, je vais éviter de toucher au pouce. Alors, une noix de coco. Où est-ce qu'il reste des palmiers? Bah, attendez, c'est pas le seul palmier qui me reste là. Ah non. Un là, mais il n'y a pas de noix de coco. Et un là. Et il n'y a pas de noix de coco. C'est la déception. Ah, c'est pas grave. J'en ai tellement. Il va falloir qu'on produise de l'eau vénère, non? Bon. Alors. Oh. Bah pour une fois qu'il n'y a pas de mouette. Ensuite. On va prendre le marteau. Alors. Véhicule. Ah, il me faut un lâche. Ok, bah, très bien. Oula. Et voilà. Bon, ça c'est bon, c'est ok. Ensuite, alors celui-là il est vide. Hop. Celui-là il y a des conneries dedans. Alors, maintenant on va faire autre chose de très important pour moi. Ah, tiens. C'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, il faut qu'on fasse l'atelier à essence aussi. Alors, comment qu'on fait ça? Brick station. Ok, il me faut de la chine. Alors, deux. Comme ça. Ensuite, deux planches. De la chine. Ok. Il me faut un fire pit. Donc, il me faut. Ça, hein. Il me faut un feu de camp. Alors un feu de camp. On va le mettre par où? On va le mettre par là. Ensuite, trois pierres. Ça va, c'est pas trop cher en pierre. Là, faites à côté. Ok. Et maintenant l'atelier, normalement on a ce qu'il faut. Ah, il nous manque les 4 sticks et le jerrycan. Il va falloir être à côté. Et voilà. Normalement, on est good. Alors, seconde chose. Bah, je vais pouvoir lâcher un peu de stuff. Seconde chose, il va faire nuit. Bon.
Alors, je vais passer la nuit, je vais me remettre bien, je vais faire de l'eau en masse là pour mes potatoes. Et je vous retrouve direct après. Heureux les gens. Bon, ça y est, la nuit est passée, donc j'ai pas pu me mettre bien parce que malheureusement, je prends toute l'eau. Ah bon, bon, bah voilà. Bon, ça va. Faut pas se plaindre, je suis bien. Alors du coup, ce qu'on va faire... Non, on va pas taper au marteau, pas du tout. Est-ce que j'ai de la place sur moi? J'en ai pas beaucoup. Je vais lâcher ça de là. Ok, j'ai mes deux haches. Gnagnagna. Ok. On va prendre toutes les pièces de véhicule. Plein là-dedans, il y avait quoi? Ah, là-dedans, okay. Et du coup, on va se fabriquer le gyrocopter level 6. Ah, on n'a pas le level. Merde, c'est level 6 en quoi? Oh fuck, oh fuck. Bon, bah tant pis. Bon, bah on va tout ranger. Bon, c'est pas grave, hein. On fera ça une prochaine fois. Je crois qu'il nous manque une pièce en plus. On n'a pas le véhicule engine. Donc le moteur. Pour être tout à fait précis. Hop. Bon. Au moins ça c'est rangé. Ça manque pas trop d'eau, non. Alors ça va, c'est quand même... C'est quand même assez... Ça remplit vite. Là, j'en ai que deux. Alors, j'aimerais bien finir le radeau. Mais est-ce que là, vraiment, je vais être stable? C'est une vraie question. Parce que j'aimerais qu'il y en ait un autre là, mais... Pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut. Là, on va aller voir. Ça fait un moment qu'on est parti. On va aller voir s'il y a des coffres qu'on respawn ou. Là, j'ai un pneu. J'ai un pneu déjà. Ramener là-bas. Par simple curiosité, voir si ça respawn ou pas. Alors du coup, j'ai espéré que pendant la nuit, mes noix de coco poussent, mais bah pas du tout. Je pense pas que ça respawn, en fait. Je pense. Et que les arbres qui repoussent, le respawn, j'ai rarement vu. Bah, depuis que il m'a croqué et que j'ai vu que ça faisait pas grand-chose en dégâts, je vais dans l'eau tranquille, quoi. Ah, y a rien. Y a rien. Bon. Bah tant pis. J'ai pas envie de sacrifier mes armes pour faire le dernier flotteur. Oh, ça fait 29 jours qu'on est là. On n'est pas mort une fois. Est-ce qu'on peut arroser les pousses? Ah bah, hop. Y a pas une pousse dans le coin là? Il y en avait plein là-bas.
Juste par curiosité, si ça se trouve, faut juste les arroser. On sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Non. Faut juste attendre. Bon. Regardez, ça remplit quand même pas mal. Faut être niveau 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est peut-être en construction. Sûrement d'ailleurs. Bon. Alors, il va falloir se construire des trucs de merde. Pour upgrade de niveau. Hop. Alors qu'est-ce qu'on se peut... Qu'est-ce qu'on a déjà? Est-ce qu'on peut se faire quelque chose? J'ai le marteau sur moi? Non. Ah, on peut pas mettre de petits murets non plus. Bon. Ah bah ce qu'on peut faire c'est déjà mettre la voile. La voile, véhicule. Ah il me faut des sticks. J'ai plus rien en stick. Ah c'est la misère. Bon. Bah écoutez, déjà on a planté nos patates, on a du carburant à coup sûr. C'est déjà pas mal. On est rentré chez nous, ça aussi c'est déjà bien, je trouve. Donc on va arrêter l'épisode ici, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, et abonne-toi si c'est pas déjà fait, c'était Killing, ciao ciao!